Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Selon Proverbe 3, du verset 24 au verset 26. Frères et sœurs, si tu es disposé, nous allons prier ensemble. Père, que ton œil soit sur moi cette nuit. Selon Psaume 33 au verset 18. Cache-moi sous l'abri de ta tente. Selon Psaume 27 au verset 5. Que personne ne trouble mon sommeil. Selon Lévitique 26 au verset 6. Couvre-moi de l'ombre de ta main. Selon Ésaïe 51 au verset 16. Que ton ange campe autour de moi et m'arrache au danger. Selon Psaume 34 au verset 8. Ordonne à tes anges de me garder. Selon Psaume 91 au verset 11. Garde-moi de tout mal. Garde mon âme. Selon Psaume 121 au verset 7. Protège mon âme contre le glaive. Ma vie contre le pouvoir des chiens. Selon Psaume 22 au verset 21. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Selon Psaume 17 au verset 8. Prends-moi sous ta protection. Selon Psaume 49 au verset 16. Veille en ami sur ma maison. Selon Job 29 au verset 4. Que l'ennemi ne me supprime pas. Que le méchant ne m'opprime point. Selon Psaume 89 au verset 23. Que ton esprit mette en fuite l'ennemi. Selon Ésaïe 59 au verset 19. Père, lance tes flèches et disperse mes ennemis. Multiplie les coups de la foudre et mets-les en déroute. Selon Psaume 18 au verset 15. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen.
frères et sœurs, tu peux aussi faire des déclarations bibliques. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Selon Psaume 3 au verset 6. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison. Selon Psaume 4 au verset 9. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Selon Psaume 91 au verset 1. Je ne crains pas les terreurs de la nuit. Selon Psaume 91 au verset 5. Cette nuit, mon sommeil me sera agréable. Selon Jérémie 31 au verset 26. Cette nuit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon âme, mon esprit, mon corps, ma santé, tous les domaines de ma vie sont cachés avec Christ en Dieu. Selon Colossiens 3 au verset 3. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Selon Ésaïe 54 au verset 17. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Selon Psaume 27 du verset 1 au verset 2. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. C'était la sœur Marcelle Vagba. Demeurez bénie au nom de Jésus.